Bonjour à tous et bienvenue dans une autre revue. Cette fois-ci, nous allons vérifier les écouteurs sans fil Sirius Pro de Gravastar. Alors, passons directement aux écouteurs sans fil et leurs étuis de chargement qui deviennent incroyablement imaginaires et futuristes. Avec leur design, avant même d'arriver aux écouteurs eux-mêmes, la présentation du produit est incroyable. Tout est emballé dans cette super petite vitrine avec une ambiance futuriste que Gravastar recherche avec ses produits. Maintenant qu'on pour le boîtier de charge qui doit être l'un des designs les plus uniques sur le marché et qui est vraiment magnifique, en plus de l'ambiance futuriste globale, vous avez tous ces petits détails impressionnants à travers le boîtier qui montre que beaucoup de soin a été apporté à sa construction. Il ne ressemble pas vraiment à un boîtier typique. Le boîtier de charge est mis en forme de sorte qu'il attire certainement une foule curieuse se demandant quel genre de gadget futuriste vous avez. Ce qui est encore mieux, cette conception métallique du boîtier n'est pas seulement pour faire joli. Cette chose est presque entièrement faite d'alliage de zinc et donne l'impression que vous pourriez l'écraser par une voiture et continuer à fonctionner. On trouve cette petite médiane creuse et ces petits protubérances qui sont conçues pour servir de décapsuleur. Vous pouvez littéralement prendre cet étui et ouvrir une bouteille sans aucune crainte. Vous l'abîmerez d'aucune façon. Au fond de ce trou, vous avez une petite bande LED avec 6 couleurs possibles. Au cas où vous estimeriez que le boîtier n'était pas déjà assez accrocheur. Vous pouvez allumer la bande LED et passer d'une couleur à l'autre via un petit bouton en bas du boîtier, mais vous pouvez l'éteindre si vous voulez maximiser le temps que vous pouvez utiliser avec les écouteurs. La dernière chose à mentionner ici est le support d'écouteurs en forme de cage avec un mécanisme à ressort. La cage est aussi solide que le reste de l'étui. Il suffit de le relâcher en appuyant sur le petit bouton sur le côté. Le bouton nécessite un peu de force pour appuyer, de sorte que les chutes accidentelles de l'étui n'entraînent pas la chute des oreillettes. En plus, elles sont maintenues en place par un très fort aimant qui les empêche de tomber même avec la cage ouverte. Ils sont si forts qu'ils ne tomberont pas même avec de violentes secousses et vous aurez même parfois du mal à retirer les oreillettes. Vous avez même une petite LED qui s'allume lorsque les écouteurs sont en charge ou couplés avec les appareils Bluetooth. Les écouteurs sont assez petits et sont livrés avec 3 tailles d'embout. Ils sont également le compagnon idéal pour tout type de sport ou aller à la salle de sport car ils sont classés IPX5, ce qui les rend capables de gérer la transpiration ou la pluie légère sans aucun problème. Les performances et les fonctionnalités de Sirius Pro sont tous aussi impressionnantes que sa conception. Avec le Bluetooth 5.2 qui leur permet de se connecter à toutes sortes d'appareils et la connexion est absolument solide dans la plage de 10 mètres avec presque aucune latence. Il couple 2 appareils en un instant et vous pouvez même utiliser un seul écouteur pendant que l'autre est en cours de charge dans l'étui de chargement. Il dispose également des commandes tactiles, toujours qui sont aussi intuitives que possible. Vous pouvez les utiliser pour mettre en pause et sauter des pistes, augmenter ou diminuer le volume, prendre des appels et activer l'assistant Google ou Siri. Tout cela peut être contrôlé depuis n'importe quel écouteur, sauf le volume qui est augmenté en maintenant la droite et diminué en tenant l'oreillette gauche. Gardez à l'esprit que si vous utilisez souvent un seul écouteur, vous avez les pilotes dynamiques de 7.2 mm plus les 4 unités de pilotes à armature équilibrée. Sirius Pro fait absolument très fort dans le département de son, offrant des basses percutantes et une excellente clarté dans les médiums et les aigus. Je les ai utilisés pour écouter mon catalogue de musique assez diversifié et je n'ai pas pu trouver un genre où ils étaient inférieurs en termes de qualité. Sirius Pro aussi a 3 pré-réglages ou modes d'égalisateur pour les films musicaux et les jeux. Et vous pouvez basculer entre les 3 en tapotant sur les oreillettes. Mais chaque mode optimise vraiment quelque peu les sons pour le contenu pour lequel ils sont faits. Pour le mode musique qui améliore la voix et donne l'impression des basses plus profondes, tandis que le mode de film et jeu ressent presque un son surround. J'ai trouvé le mode jeu particulièrement agréable pour les FPS. Sirius Pro est également parfait
parfaitement utilisable pour prendre des appels, le microphone est correct pour capter votre voix et je n'ai eu aucun problème avec les personnes avec qui je discute. Les choses seront encore plus claires de votre côté, non seulement puisque Siri Pro devient très fort, mais parce qu'il a un ANC qui fait un excellent travail pour supprimer le bruit extérieur. La durée de vie de la batterie est proche des écouteurs concurrents, vous obtiendrez environ 6 heures d'utilisation et 3 fois une recharge supplémentaire dans le boîtier pour un total d'environ 24 heures avant de devoir apporter un câble de recharge. C'est un Gravastar impressionnant qui a quand même réussi à entasser 400 mAh de batterie. La détection intra-auriculaire est toujours fonctionnelle et contribue certainement à la longévité car la lecture ne sera pas utilisée dès que vous sortez un écouteur et continuer instantanément lorsque vous le remettez en place. Il n'y a pas de fonction de charge rapide ici, il faut donc environ 2 heures pour charger l'étui et les écouteurs. Maintenant, en fonction de la couleur de votre choix, Gravastar Siri Pro va vous coûter entre 130 ou 150$, ce qui n'est pas bon marché, mais ce sont parmi les meilleurs véritables écouteurs sans fil et il est clair que Gravastar a tout mis en œuvre pour les réaliser. Ils sonnent bien et apportent toutes les fonctionnalités pratiques que vous attendez à ce prix, tandis que le boîtier de charge est construit comme un réservoir et a l'air absolument hors de ce monde. En plus de les avoir sur vous, vous n'aurez jamais à vous soucier de ne pas avoir d'ouvre-bouteille, ce qui est une caractéristique étrange et impressionnante pour une paire d'écouteurs. Comme toujours, le lien du produit sera inclus dans la description ci-dessous avec des prix réduits. N'oubliez pas non plus d'aimer et vous abonner à la chaîne GeekTech pour plus de vidéos. Il me reste que de vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao.